Hello à tous les amis, il y avait un moment que je n'avais pas redonné de mes nouvelles ou fait de vidéos et ben voilà, aujourd'hui la motivation m'a repris, donc on va voir. J'ai eu des petits soucis sur la dernière vidéo postée au niveau de la publication, donc on va voir au niveau du chargement de vidéo ce que ça va donner ce soir. Et ben voilà, je profite quand même de l'enregistrer maintenant et on verra quand est-ce que je pourrai la poster et puis ben, vous l'aurez quand ça sera le moment et puis... Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que je sais même pas comment formuler toutes les choses qui me passent à travers là. Que tout ce qui est à l'œuvre pour chacun d'entre vous trouve son chemin et voilà, et prend la place la plus juste et la plus alignée avec votre cœur et vos envies. Voilà, les plus profonds, si je pourrais nommer ça comme ça. Même si je peux aussi dire que la superficialité a aussi des choses importantes. Donc bon, je vais m'arrêter avant de partir trop dans tous les sens. Et j'ai quelque chose qui me vient, c'est que je suis passée à côté de cet arbre qui m'a l'air d'être un... Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un bébé chêne. Et je vais vous le montrer. Vous voyez, en fait, la base et l'écorce a poussé, et puis là, il a plié, en fait, et puis il s'est sectionné ici. Je pense que vous voyez, je vais vous montrer toute cette partie, il attaque. Et en l'observant, j'ai constaté que, ben voilà, il y a des ramifications qui ont poussé sur cette branche, qui peut sembler... affaibli, cassé, et ben la vie reprend forme pour tendre vers. Voilà, voilà. Et voilà, je voulais vous partager ce clin d'œil lors de ma balade parce que du coup ça m'inspire que quoi qu'on traverse dans notre vie, qui peut nous faire céder, nous faire plier, que ce soit nos émotions, nos peurs, nos vulnérabilités, nos doutes, les inconforts, les échecs. Enfin, les échecs, oui, les expériences passées qu'on aurait préféré vivre d'une autre manière, en quelque sorte, me laisse penser avec cette image-là aujourd'hui que il y a toujours un espoir de continuer le chemin et que même si quelques branches vont casser aussi. Durant la route, le chemin, le processus initiatique d'une vie, eh ben, il y en a aussi 10 autres qui vont pousser. Donc pour moi c'est porteur d'espoir. Je m'inspire de la nature parce que la vérité pour moi elle se situe ici. Et voilà, et parfois bah, peut-être que sacrifier une branche pour qu'il y en ait d'autres, c'est peut-être... plus intéressant ou en tout cas peut-être différent, parce que des fois quand c'est une grosse branche on n'a peut-être pas envie qu'elle se casse celle-ci et... enfin voilà, c'est une manière de voir les choses, je sais pas ce que pour vous ça vous inspire, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça et un moment nature et voilà, vous montrer que qu'on peut faire face à des difficultés et se relever malgré tout. Voilà, c'est le message. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Gros bisous.